Le sport et la santé, c'est un sujet qui m'intéresse sur le plan associatif, puisque moi-même je suis présidente d'une association qui œuvre dans le domaine. Et qu'en tant qu'élu régional, c'est une de nos priorités dans le développement de nos actions en faveur du sport, le sport santé, le sport et la mixité. Et c'est sur des questions sur lesquelles, du coup, je peux être totalement légitime en ayant été moi aussi sportif de haut niveau avant, donc ayant été dans ce fameux sport de compétition qu'on oppose souvent au sport santé, au sport pour tous, au sport loisir. Et je me sens d'autant plus légitime et écoutée parce que je suis à même de défendre les deux, ces deux pratiques, le sport de compétition, le sport pour son plaisir, le sport pour le bien-être de son corps. Et voilà, c'est pour ça que je suis là et que j'ai participé à ce débat qui était par ailleurs très intéressant. C'est intéressant de réunir dans le cadre de ce forum beaucoup d'intervenants qui viennent de milieux divers, qui soient structurels, comme des associations, des ministères, des structurations, des déclinaisons territoriales, des organismes tels que le CNOSF, tels que les fédérations, et autres, et voilà, rassembler au même endroit le mouvement sportif, les gens de l'éducation populaire, des acteurs novateurs et innovants aussi, je crois que c'est l'intérêt de ce forum Educasport mondial. Évidemment, c'est intéressant de voir aussi ce qui se fait dans d'autres pays et de pouvoir comparer les pratiques et de s'inspirer les uns des autres. On se rend compte que les problématiques sont un peu finalement les mêmes autour du sujet sportif, quel que soit le pays. Et quelques-uns sont plus avancés, d'autres sont un peu plus en retard. Mais tout ça, c'est rattrapable sans problème à condition d'être ouvert, d'échanger, de discuter, d'écouter les autres.